J'ai oublié mon parapluie pour venir ici, je suis donc un peu trempé, mais je devrais sécher rapidement. La course devrait être intéressante dans ces conditions, car bien évidemment, quand il se met à pleuvoir, tout tombe à l'eau, si je puis dire. On oublie l'efficacité aérodynamique et on essaie de garder un bon équilibre des réglages et d'avoir des pneus toujours à la même température. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Lewis Hamilton part en pole et Valtteri Bottas complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel, Verstappen, Kimi Raikkonen et Ricciardo, Massa, Sainz, Hülkenberg et Daniil Kvyat, Perez, Ocon, Fernando Alonso et Grosjean, Stroll, Magnussen, Pascal Wehrlein et Julian Palmer, Van Doorn et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. L'extinction des feux ne saurait tarder à présent. Il est donc temps de nous diriger vers la piste.
Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin ? Eh bien, l'écurie dispose d'une monoplace parfaitement adaptée aux conditions d'aujourd'hui. Puisque la machine offre un bon compromis sur piste mouillée, le pilote a moins de réticence à attaquer. Il peut ainsi mettre les gaz plus tôt et retarder le freinage au maximum, ce qui permet de prendre l'avantage. À l'heure où je vous parle, les pilotes viennent récupérer leur trophée. Voilà encore de l'argenterie à rapporter à domicile, à Brackley, après un formidable Grand Prix. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui ? Je pense que c'est Lance Stroll. Il a très bien couru du début à la fin. Il a de quoi être fier de ce résultat. C'est tout pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt !